Oui, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 148 de Stage 1. Et nous allons jouer aujourd'hui à Dogfight 1942. Alors, Dogfight 1942, c'est un jeu d'avion. Voilà, oh bah tiens, on voit, l'avion, c'est magnifique. Donc, je sais pas du tout comment ça va se présenter encore. C'est un jeu de simulation de guerre ou je sais pas trop. En tout cas, on va piloter un avion, à ce que j'ai compris. Donc, je vous laisse un peu le début. Donc voilà pour l'introduction qui a été un peu rapide, 1 minute. Donc le chargement, l'avion, on a vu à peu près le graphisme qui je pense va ressembler un peu à ce qu'on a vu dans la vidéo. Donc voilà, on va choisir, donc on prend un joueur. Je vais prendre la première, je pense que c'est un tutoriel. Ça doit être une mission, je sais pas, baptême du feu. Alors web, l'avion. On va prendre ça. Alors je mets en mode facile. Ouais, en mode difficulté simple. On va commencer, donc il va y avoir un tutoriel comme ils nous ont expliqué. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Donc voilà, c'est nous. Nouvel objectif. Alors j'appuie sur les flèches de direction pour avancer, sauf que hop là c'est juste pour décoller. Maintenant on contrôle avec la souris, hop là, donc on contrôle comme ça et on doit aller donc là-bas. Donc c'est un peu, c'est différent, hein, différent de l'autre jeu que j'avais testé, je sais plus son nom. Qu'est-ce que j'avais testé comme jeu d'avion? Je sais plus comment il s'appelait, faudrait regarder dans mes vidéos, dans les 40-50. Alors on clique pour tirer, mais je crois pas que ce soit des ennemis, ça, en fait, ils sont en train de tirer sur un ami. Je crois. Ouais. Moi je pense qu'il serait marqué en rouge. Ouais non ouais. C'est pas des ennemis. Alors là par contre ce qui est en jaune ça doit être des ennemis ça. Mais ce qui est en rouge maintenant, ça correspond un peu mieux au profil d'un ennemi. Allez. Alors oui, ils me tirent dessus les salauds. Hop là, on les a croisés. Je pense qu'on peut leur foncer dedans. Allez, j'essaie de leur tirer dessus. Je sais pas trop comment bien les viser. Bon, pour l'instant, j'en ai détruit un, hein, c'est bien. Hop, j'en ai détruit deux. Allez, allez. Donc, il y en a d'autres. Je sais pas, alors on doit surtout les éliminer. La mission actuelle, ça va être de les défoncer. Bah, comme c'est un tutoriel, bah c'est pas non plus. C'est pas non plus énorme. Donc on me voit quand il me tire dessus, mais je sais pas ma vie, je sais pas par quoi elle est représentée. Alors il y a une barre verte là, mais il y a une autre barre à droite qui fait le tour du cercle là, ce qu'on voit en bas à droite. Bon, il y a notre vitesse. Hop là, on a une animation pour l'avion qui saute. Alors. Donc il faut que je retourne là-bas, voilà. Alors là-bas, le point vert. Le point vert.
Et on y va, on y va, on y va, on y va. C'est un peu long, je crois bien que j'ai un turbo, mais il a pas l'air d'être énorme. On vole pas très vite. Ouais, en mode turbo là. Je suis en mode turbo. Ouais, voilà. Allez, alors, qu'est-ce que ça. Qu'est-ce qu'on fait? On doit atterrir ou. Ah merde, non, c'était là. Ah là là, merde. Est-ce que je dois atterrir sur la sur le terrain? Ah bah j'ai crashé mon avion, c'est super. Ah bah c'est magnifique ça, dis donc. Voilà, alors qu'est-ce que je fais? Changer. Ouais. On recommence au dernier checkpoint critique, comme ils disent. Ah merde, je dois me retaper les ennemis. Bon bah c'est. Bon vas-y, on va se refaire les ennemis. Bon, ils sont un peu bêtes, ils auraient pu quand même faire un checkpoint après les avoir défoncés. C'est pas tellement évident d'atterrir. Good. Alors. C'est un peu. Je sais pas comment on fait pour les viser quoi. Allez. J'ai pas trouvé encore. Pour bien les viser, est-ce qu'on peut les loquer? C'est-à-dire les garder en viseur tout le temps. Donc là, allez. J'essaie de tirer un peu devant. Et comme il bouge et que nous aussi on bouge, c'est pas facile. Les petits bruits qu'on entend, c'est quand ça touche, donc c'est plutôt bien. Yeah. Les mecs, comme ils parlent anglais. Bon, les textes sont en français, heureusement, sinon ce serait pas jouable. Mais les voix ne sont pas en français. Hop. Ouais, et je crois que j'ai trouvé comment. Comment bien leur faire des dégâts. Il faut, en fait, c'est semblé évident depuis le début, vous avez peut-être remarqué qu'il y avait des cibles qui les entouraient. Et en fait, il faut essayer de viser la cible. Moi, j'ai essayé de viser l'avion, j'avais pas vu le petit cible, je savais pas exactement à quoi ça correspondait, mais en fait, hein, en fait c'était là qu'il fallait faire. Donc, on va retourner là-bas. On va essayer d'atterrir. Je sais pas, on va peut-être se recracher, j'espère pas. Ce serait pas top. Alors ça c'est le boost. Donc là bah, je suis déjà en boost. Ouais non. J'ai cru que mon avion il avait plus d'essence. Non, allez. Revole toi. Voilà. Il revole tranquille. Alors il faut que j'aille là en dessous. Mais comment je fais pour atterrir sans me crasher? Alors on va peut-être essayer d'y aller tout doucement. Alors on va au bout de la piste. Et on atterrit là. Alors on va essayer. Ouais, ouais. Ah, il a sorti les trains. Magnifique. Et c'est bon, ça a pris le relais. C'est plus moi qui conduis. Voilà. Terminé pour la mission. Mission accomplie. Score 20. Tu es 4. Ouais, on s'est un peu fait chier quand même. Chargement. Alors là, la nouvelle mission. Donc la première c'était vraiment le tutoriel. Et là donc ça va être une vraie mission. Donc c'est parti, on commence la mission. Dogfight 1942. Qui a des graphismes donc qu'on a vu qui étaient plutôt beaux. Et qui est plutôt simple à jouer comparé à d'autres jeux d'avion où vous galérez à contrôler l'avion. Là bah là c'est vraiment très simple. Alors ça va être à nous de jouer. Attention, donc on est le petit avion là. Ah là, c'est parti, on s'envole. Et c'est parti, on a notre viseur. On va essayer de. Voilà, je suis monté un peu en altitude. On va essayer de chercher, on se fait attaquer. Donc il va falloir qu'on défende notre île. Ouais, si c'est une île. Hop là, donc j'ai trouvé. Maintenant que je sais où il faut tirer, bah, ça va aller beaucoup plus vite. On va redescendre beaucoup. Hop là, ici il y en a. Ah, si, allez, vas-y. Voilà, un de moins. Hop là. Ils me disent que j'en ai tué que deux, mais il me semblait que j'en avais tué trois. Yop. Ah, c'est vrai qu'on pourrait peut-être s'emmerder au bout d'un moment.
on pourrait s'embêter. Parce qu'à faire la même chose, ah bah ouais, bon, les petites animations qui tuent et qui cassent quand même un peu l'ennui. Parce qu'à faire tout le temps la même chose, bon, je me fais aussi un peu attaquer de temps en temps, mais bon, ça c'est un détail. Hop là. Ouais. Youp. Hey, je dis pas grand chose, je sais. Je dis pas grand chose, c'est un peu le calme. Je suis concentré sur mes avions et puis en même temps, il n'y a pas tellement grand chose à dire sur ce jeu. C'est vrai que voilà, on tourne assez en rond quoi. C'est la mission en elle-même. Bon voilà, on défend la base. Pour l'instant, c'est pas dur parce qu'on s'est mis en mode facile. Voilà, je cherche l'avion, je tire dessus. Donc pour ceux qui aiment bien les jeux d'avion comme ça, ça peut être sympa. Moi, c'est pas trop mon kiff, je vous le dirai. C'est pas moi, c'est pas ma tasse de thé plutôt. Hop là. Alors. Oulala, il y a des mecs qui m'ont frôlé. Allez. Et d'un. Et you. Voilà, terminé pour ça, on a défendu la base. Magnifique. Oh, squealing piglets! We got more incoming! Squealing piglets, huh? That's supposed to be harsh language, command? Squealing piglets, I love it. It's a farm thing! Allez hop, on en a une nouvelle fournée, on en a un sacré paquet d'ailleurs. On va falloir qu'on les allume. Et on va y passer un moment, je pense, vu tout ce qu'il y a, on en a pour un moment. Putain, regardez-moi tous ces points qu'il y a. Allez, en plus, il part dans tous les sens. Mais je suis pas tout seul quand même, hein. Je suis pas tout seul à défendre tout le monde, donc c'est pas mal. Heureusement que je suis pas tout seul, sinon j'aurais de la peine. Allez, il y en a deux là. Si je peux choper, hop, le deuxième. Allez, ils y vont à la chaîne là, ils y vont à la chaîne. J'ai pas de restriction au niveau des munitions, il me semble pas. Allez. Ouf, putain, il y a plein d'avions de partout, quoi, c'est dingue. Alors. On y passe un moment, on y passe du temps. Alors là, on voit mes amis aussi qui passent devant moi. Ouh. Hop là, il est passé où lui? Il est là. Allez, reviens ici toi. Voilà. On voyait pas le point. Ouh, il a explosé. Allez. Il y en a un autre. Il y en a 3-4 autres encore. Avant qu'on termine. Parce qu'on fera pas de mission après celle-ci, on va essayer de la terminer si elle veut bien se terminer. Le tutoriel était assez rapide, mais celui-là, bon, il a l'air un peu. Une mission un petit peu plus longue, avec deux actions. Hop là, là, et un là. Hop là, pour lui, c'est bon, il explose en plus, c'est magnifique. Lui, il va exploser aussi. Voilà, il n'y en a pas d'autres. Et donc voilà. Ah bah non, c'est pas terminé. On attaque mon bateau. Il y a des ennemis qui attaquent mon bateau à moi. Et donc il va falloir que je les démonte. Où sont-ils ces bombardeurs là? Faut que je les empêche surtout d'aller bombarder des trucs sur mon... Oh, regardez, hop. J'ai l'impression qu'il avait jeté un truc, mais je suis pas sûr. Donc il y a la vie de mon bateau, je pense, qui est au milieu. Qu'on voit là la petite barre, ça doit être le bateau. Allez, il y en a encore un là. Un ici. J'en ai détruit 25. Bah, il me semble que c'est le chiffre de. Le nombre d'avions que j'ai démonté. J'ai donc tué 25 à 26 personnes. Voilà, ah, il y a encore un là. Mais la menace, je pense qu'elle est écartée.
Donc voilà. Donc on va s'arrêter là. Donc ce sera tout pour Dogfight 1942. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à venir visiter ma page YouTube où se trouvent plein d'autres vidéos. Sinon, tu peux aussi cliquer sur les vidéos au milieu pour aller les voir directement. Je t'invite à laisser des pouces verts si tu as aimé ou des pouces rouges si tu n'as pas aimé. Tu peux même laisser un commentaire en bas de la vidéo pour me dire ce que tu penses. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Stage 1.